Hello, Moussa Camara de BIBG Africa. Alors, cette vidéo, elle est faite encore pour manifester notre reconnaissance. Le samedi dernier, nous avons entamé notre nouveau programme de formation pour une nouvelle cohorte. Une cohorte composée de 56 personnes. Oui, 56 personnes se sont inscrites pour ce programme de formation dont nous avons fait la promotion, entamé la promotion depuis le mois d'août et on a bouclé donc cette promotion au début de ce mois d'octobre. Et donc le samedi dernier, le samedi 15 octobre, nous avons démarré avec la séance de kick-off et nous sommes très heureux, très honorés d'accueillir 56 personnes pour ce programme de formation à la certification internationale en SAP. Alors, 56 personnes, dont 5 dames, donc 10% de cet effectif est constitué de dames. Félicitations à ces dames. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup 10%, mais elles se sont inscrites, en tous les cas, ces dames-là, et on leur voue en tout cas un profond respect et on les félicite pour cette démarche. Donc, 56 personnes qui ont décidé d'impacter leur carrière à travers le canal fort intéressant qui est celui de SAP. Alors là, cette vidéo, je profite pour vous donner quelques statistiques, pour vous donner une idée de la qualité de l'effectif que nous avons pu enregistrer. Ces 56 personnes, dont 5 qui sont des femmes, représentent 14 pays. Donc 14 pays, dont 3 qui sont hors de l'Afrique. Donc 3 pays qui sont hors de l'Afrique. Et ces 3 pays, c'est le Canada, c'est la France et c'est la Suisse. Et 6 personnes, donc au total, représentent ces pays. Et pour nous, nous sommes très honorés donc d'accueillir des personnes de la diaspora africaine qui s'intéressent à notre initiative, mais qui veulent aussi impacter leur carrière parce que justement dans ces pays-là, il y a de grandes, grandes opportunités dans le domaine de SAP. Et voilà, on est très heureux d'accueillir ces personnes. En termes de niveau d'études, ben, plus de 60% des personnes inscrites ont au moins un Master 2. En termes de situation professionnelle, 70% des personnes inscrites sont en entreprise, donc en situation professionnelle, et 20% sont des indépendants. Voilà, donc on a 90% des inscrits qui sont déjà en activité. En termes d'expérience professionnelle, eh bien, il y a 46% des inscrits qui ont une expérience entre 5 et 10 ans, et puis 32% qui ont plus de 10 années d'expérience. Donc vous voyez la richesse et la qualité des inscrits. En tout cas, on les félicite pour cette décision, pour cet engagement, pour cette volonté donc d'impacter leur carrière à travers une formation de haut niveau dans le domaine de SAP. Ces personnes vont bénéficier de 10 week-ends de formation, donc 20 séances en moyenne sur des modules clés. Ce sont des modules pour lesquels il y a une forte demande sur le marché donc du travail dans le domaine de SAP. Et ces personnes vont bénéficier d'accès, au-delà de la formation, d'accès au serveur sur toute la période de la formation. Ces personnes sont déjà intégrées dans un groupe Telegram pour pouvoir interchanger entre elles, entre deux séances de formation. Donc 24 heures sur 24, il y a ce groupe-là, ces groupes pour chacune des classes, où les apprenants vont échanger entre eux, networker, mais aussi pour avoir la possibilité tout de suite, lorsqu'ils ont des difficultés, de pouvoir avoir le retour des coachs qui sont aussi, de coachs formateurs qui sont aussi connectés dans ces groupes Telegram. C'est également des feuilles de route dont ces personnes vont bénéficier pour pouvoir suivre l'évolution de leur pratique sur le serveur et donc qu'ils vont utiliser comme boussole, okay, pour pouvoir pratiquer sur le logiciel. Sur le logiciel, lorsqu'on parle de serveur, c'est un serveur distant auquel ils se connectent. Donc, pour pouvoir pratiquer et ainsi monter en compétences. Et au-delà de tout ça, eh bien, c'est un accompagnement à la certification internationale parce que le contenu didactique de cette formation va leur permettre de passer la certification internationale auprès de SAP et tous les bonus qui sont attachés à ce programme de formation. En tout cas, on est parti pour 2 mois et demi, 3 mois maxi de formation avec cet effectif. Et en tout cas, nous, on est très motivés, très honorés de les accueillir
Et voilà. Alors, cette vidéo vous est adressée également. On profite de l'occasion pour vous informer que à partir du 5 novembre, nous allons ouvrir encore la possibilité pour des personnes qui souhaitent se former en SAP, impacter leur carrière de s'inscrire pour notre prochain programme de formation que nous allons lancer en début février. Donc, on va commencer à ouvrir les inscriptions à partir du 5 novembre. Donc, du 5 novembre jusqu'à fin janvier 2023, on sera en train de recueillir les inscriptions pour ce programme de formation, le prochain programme de formation que nous allons lancer en début février. Donc, il faut rester connecté avec nous. OK? En tout cas, nous, notre ambition de vulgariser du mieux qu'on peut l'expertise, le savoir dans le domaine des technologies avec un focus sur SAP. On est très engagé par cette dynamique et voilà, très engagé à constituer un vivier de compétences en Afrique, pour l'Afrique, de l'Afrique. Et voilà, on espère ben, vous compter parmi ces personnes-là qui vont nous rejoindre dans cette dynamique. En tout cas, merci. Merci pour toute la confiance, merci pour la sympathie que vous avez pour nous, merci pour le fait que vous nous suivez régulièrement et on sera très heureux, bien entendu. Si vous n'avez pas encore franchi le pas, ben, on espère pouvoir vous compter dans notre programme prochain parmi les inscrits, parmi les participants pour que, ensemble, comme on le dit chez nous au niveau de BIBG, nous irons loin. Moussa Camara, Managing Partner de BIBG Africa. Toujours un plaisir de pouvoir vous porter donc des informations sur nos initiatives. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir un échange avec nous pour comprendre ce que nous faisons, pour peut-être avoir une orientation sur le choix de vos modules ou pour en savoir un peu plus, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un mail, qu'on pouvait nous écrire directement par WhatsApp. Regardez la description, nos contacts dans la description de cette vidéo. Vous avez tous nos contacts. N'hésitez pas à les utiliser. Nous serons très honorés de pouvoir recevoir vos messages et répondre à vos préoccupations. Allez, be blessed. On reste ensemble et ensemble, nous irons loin. Bye.